cas, les rumeurs matin, c'est parce que bon Dieu vivant. Amen. Quel monde qui te connaît marcher, te connaît lever, mais te connaît faire tout ça et rouler. Mais, vu mon dépression passée, on a sévé. Je trouvé à l'hôpital, pour y aller, c'est réapprendre, après réapprendre encore, lever, mais réapprendre, marcher encore. Si matin on a fait ça, c'est parce que bon Dieu voilà vivant. Dis Jésus vivant. Jésus vivant. Et pour ça, matin, on va avoir un nombre d'adorer, bon Dieu vivant ça. Donc, nous mettons à niveau pour les tuer par mon Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 84. Psaume 84. Que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Les autels, l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Bon Dieu, mon fidèle, au pas j'en balade, dans les portes salées, avec leur confiance, et maintenant on n'est pas à bon Dieu. Chanter numéro 144 en français. On chante à la gloire de Dieu, frappé même au nom de Chita, qui fait bon dans ton service, Jésus, mon sauveur. Thank you.
sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est vraiment avec un peu de joie et reconnaissance que je me trouve devant vous ce matin pour vous présenter les annonces de la semaine et pour vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je souhaite que la paix de Dieu soit avec vous. Bien, moi, souhaiter à toutes et à tous en bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous content de ce que matin, prend décision ça pour venir ici ensemble pour nous adorer bon Dieu Seigneur. Donc nous avons avec nous le maître Lévisi, c'est un serviteur de Dieu pour lequel j'ai beaucoup de respect et qui j'aime et qui aime le Seigneur et le travail qu'il fait, béni soit le nom du Seigneur pour ce serviteur. Donc maintenant on va prendre tout le monde qui lève, qui vient matin pour adorer bon Dieu avec nous. En fait, en tant que visiteur, il encourage. Je m'attends au fond, tu le lever debout, on a pu faire ça bien vite hein, pour nous racheter le temps, en sorte que pour nous capables de faire tout ça bien pour faire. Et c'est un monde assemblé qui visite nous pour la première fois. La paix bon Dieu avec nous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez au bon Seigneur. Allez au bon Seigneur. Allez au bon Seigneur. Ça peut dire le Seigneur bon, lui bon. Le Seigneur bon à tout temps. Amen. À tout temps, il est bon à tout temps, à tout temps, l'Éternel bon. Yes. Moi, je suis sorti de côté Paris. Amen. Moi, c'est cousine Fécadel. Et moi, je suis entré ici. Le ministre, c'est un gros neige, je suis. Et moi, je dis bon Dieu, merci, matin, je suis content. Je suis content que bon Dieu, quand on chita, pas quitter bon Dieu. Bon Dieu, bon. L'aime nous dit bon, le bon à tout le temps. C'est moi qui nous a avec moi. Il va besoin de bon cas et l'argent. Il va besoin de bon en rien. Sauf besoin déjà par où. Si pour la grâce de Dieu, pour l'évangile. Amen. Et puis sauvons dans le diable. Nous râlons à diable. En rien pas capable de faire. Diable pas capable de manger. Nous râlons pas capable de manger. Parce que faire confiance. L'Éternel dit faire confiance qu'elle a agi pour vous. Moi-même, lui faire moi, faire pour moi. Je n'ai pas besoin de me cailler l'argent. Depuis que je fais traverser l'océan, je viens ici là, je retourne pour faire beaucoup de choses pour moi. Moi, dis mon Dieu merci. Parce que bon Dieu béni. Que grâce, bon Dieu, pour vous rassembler, que me passer, que m'aider. Aidez-le pour le capable privé, sinon pas avec lui. Jésus avec nous même deuxième, qui est le capable privé, le capable faire travail dans le nom de Jésus. Que mon Dieu bénisse nous. On la soirée dans ça. Amen. Regardez, nous avons un musicien qui a fait son dans oreille là, nous avons besoin de passer nous parler vite, soit qu'il est capable de dire non quelque chose. La paix de Dieu avec vous, frère et soeur. Amen. Je vous dis assez en privilège, moi, et qui fait que là. Moi là, grâce à Maestro, Renald et bien-aimé, ces gens et moi, c'est le même qui invite moi. Amen. Amen. Merci beaucoup, serviteur. Merci beaucoup. Renard. Thank you.
Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Juste avant de vous communiquer la parole de Dieu, suivant que le Seigneur me permettra de le faire, je tiens au nom de la chorale à excuser notre cher maestro, dont tous les consignes n'ont pas été suivis à la lettre. C'est dû à notre minuscule place. Donc, maestro, nous excusez-vous nécessairement. Je réclame votre prière. Je réclame ta prière pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il a à cœur de faire depuis des années. Amen. 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 Il peut le faire. S'il le fait pour l'autre, il peut le faire pour l'autre. Car notre Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Et moi, je crois qu'il peut le faire. Mais si je ne peux pas, je garde son silence. Il attend le réveil du cœur. Amen. Donne-moi un amen. Et si vous avez faim, il y a de la nourriture dans le frigidaire, et vous dites, moi je ne mange pas, je n'ai pas besoin de manger, et puis vous souffrez de la malnutrition, ce n'est pas la faute de la madame qui a préparé la nourriture. C'est ta faute. Parce que le frigidaire n'est pas vide, il y a des quoi à manger, et je dirais même à volonté. Donc si vous ne voulez pas, et que vous souffrez de la malnutrition, et que vous donnez du corvée à frère Franck, lisez pour jeûner, prier, laissez-moi vous dire, il y a des prières qui restent ici, qui ne montent pas en haut. Amen. Donne-moi un amen. Il y a des prières qui restent ici, qui ne montent pas en haut. Amen. Quand vous voulez, Dieu le veut. Donne-moi un amen. Donc, ce matin, frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il est. D'abord, il est le souverain, il est le tout-puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est mon Seigneur et mon Dieu. Je souhaite qu'il est aussi le vôtre parce qu'il est venu pour vous et moi. Amen. Donc dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons ouvrir notre Bible avec nous, le livre des livres, le livre par excellence, dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, nous allons lire un verset, le verset 20. Jean 16, 20. Jean 16, verset 20, merci de vous lever. Donc, nous allons faire cette petite lecture pour qui servira de démarche à notre prédication de ce matin. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous, que Dieu bénisse cette portion lue pour notre commune édification. Père Céleste, Dieu de la révélation de l'amour, ton amour est en notre bien suffisant pour nous, jusqu'à grimper la croix, pour qu'aujourd'hui nous soyons ici. Merci, Père. Merci pour cette portion lue, merci pour ton peuple qui dévient au matin, en délit tout ça. Avant d'ouvrir la montre, en prenant lui ça même, au nom de Dieu, efface-nous devant ton peuple et prends ma place. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Depuis quelques temps, quelques semaines, nous entretenons avec vous sur ce sujet, l'enlèvement de l'Église. L'Église n'est pas sur terre éternellement. L'Église est passagère sur la terre. L'Église, le temps viendra où Dieu rapatriera son Église à lui, parce que l'Église n'est pas notre affaire. L'Église, c'est l'affaire de Jésus. Amen. N'est-il pas dit Pierre, tu es Pierre?
et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et il ajoute, et les portes du séjour des morts ne répondront point contre elle. Et si aujourd'hui vous êtes là, frères et sœurs, ce n'est pas parce que le diable n'a pas tenté de vous détruire, mais cette parole donne suite, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'église est d'abord en action. Et l'église est en action jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et pour que l'église quitte la terre. Est-ce qu'on comprend ça que fait l'église pour qu'on lever, l'église pour qu'on lever parce que l'église pour qu'on dans le coup de Dieu et l'église pour qu'on complète. Amen. L'exemple complet, on crée le pas, il n'y a pas côté de la sortie pour le rentrer dans l'arc de l'alliance de Dieu. Et puis après ça, l'exemple va rencontrer avec le Seigneur dans les airs pour le rentrer dans le ciel. Ça va? Amen. Est-ce que l'église dit là, vous dites là, vous c'est l'église pour qu'on joue à pleuver? Amen. Est-ce qu'on croit qu'on joue à pleuver? Amen. Est-ce qu'on croit qu'on joue à pleuver? Donc on dit, il y a des conditions pour être enlevé. Il y a des conditions. La première condition, c'est d'être né de nouveau. La deuxième condition, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. La troisième condition, c'est de mener une vie saine sur la terre. C'est la vie durante. Amen. Donc, maintenant, vous voulez dire à l'église, là, sois secrète. Tes jours de pleurs feront place aux jours de joie et de réjouissance. Ça me dit là. Ma préparation plus doucement, il est un peu long, mais c'est tellement inspirant, c'est tellement réconfortant, c'est tellement encourageant. Sois sans crainte, tes jours de pleurs feront place aux jours de joie et de réjouissance. Il n'y a pas un chrétien sur terre, je dis bien, il n'y a pas un chrétien sur terre qui ne souffre pas maintenant. Ça va? Par contre, l'église authentique, par contre, l'église qui c'est l'église Jésus-Christ a sur la terre, et ceci c'est depuis la naissance de l'église jusqu'à présent, minute de ma parole là, par contre, l'église qui l'église vraie qui va souffrir. Et je suis même dit en vérité, nous sommes nous là, c'est vrai, ou à souffrir, ou à prendre tribulation dans le monde vrai, et qui t'aime nous là, souffrir comme ça, le monde content. Tant pis pour y avoir content moi-même, même si ma souffrance ou espérance. Amen. Même si ma souffrance, c'est passer ma passer dans souffrance, mais souffrance pas éternelle sur la terre. Amen. Pour nous, pour faire pas le Seigneur, non. Et pour chiner à vos côtés, Seigneur, non. Et c'est ça, vraiment, madame, tout le monde qui parle l'église, l'église maintenant, parce que Jésus m'a promis sous tes droits. Il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Frères et sœurs, qui vous dit pendant que son côté Jésus du Mounia? Que Jésus du Mounia? Jésus qui aussi à la loi des Jésus. Mais c'est un esprit sous terre. Amen. C'est un esprit sous terre. Et c'est cet esprit qui fait l'église pas tomber dans toutes sortes de choses qui montent dans l'église. Amen. C'est cet esprit qui n'en roi qu'il faut connaître tant par là, les marquer ou pas y aura produit du hasard, mais on se produit de la grâce de Dieu, ma frère et sœur. Et donc, comprenez, frères et sœurs, ou pas frapper le stomac ou nous chrétiens, non, mon messie à terre, vous dites merci Seigneur, parce que tu as été me chercher, tu as été leur chercher, tu as été nous chercher. Et aujourd'hui, nous sommes membres de la famille des dieux. Amen. Quand la trompette de Dieu sonne, l'église entendra. Et l'église carrément, qui était mourie déjà, il a ressuscité. Et l'église qui n'est pas mourir, il a transformé pour aller à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, 68 des jours de pleurs feront place aux jours de joie et de réjouissance. Paul te dit dans Romains 8, verset 18, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. La gloire à venir, c'est lorsque un petit chrétien qui est en bas de table à prier, mais qui s'est servi pour Dieu, personne ne parle, il a méprisé parce qu'il a mené envie de sainteté, de le gagner, de méprisé, de l'humilier, mais je vous délivre pour la prendre, il est bientôt. Ma bonne guillère, mais qu'on l'a voulu passer Paul, mettez Paul, faire rien son meurtre pour faire le monde pour nous, ton monde, mon Dieu. Est-ce que les gens comprennent ça matin? Et soit pleurer matin, pleurer pour les bonnes causes. Pas pleurer parce qu'on ne peut pas manger chaque jour. Pas pleurer parce qu'on n'a pas une belle voiture comme l'autre a gagné. Pas pleurer parce qu'on n'a pas une belle voiture couler comme l'autre a gagné. Mais pleurer parce qu'on a même envie de sainteté. Parce qu'on pleurait Jésus face à face. Amen.
Amen. Ouvrez ouais, Jésus face à face. Ouvrez ouais, Jésus face à face. Et Jésus-Christ dit dans la parole, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Mais c'est ça, c'est pas pour mes noms en Haïti. C'est pas pour mes noms en New York, mais c'est pour mes noms. Alléluia. Par contre, ils sont contents, j'en suis content. Je ne suis pas content parce que mon Canada. Parce qu'au Canada, tout va bien. Je ne suis pas content parce que mon Sénat, bientôt, je vais faire aïe, il vit. Même content parce que j'ai Jésus. Je suis content parce que Satan n'a qu'à voler Jésus. Et Jésus qui même dit, attention, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin qu'elle ait oublié la vie et qu'elle ait l'abondance. Oh mon ami qui dit, tu induis ma tête et ma coupe, tes bonnes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Amen. Mais si vous comprenez, frère, ce n'est pas l'argent pour le bonheur. Amen. Et si c'est l'argent qui a fait corps contre, frère, c'est ça qui t'aime dire. Paul te dit dans le côté 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux et tous les hommes pile guette sans Jésus puis malheureux parce que amen ça va nous comment ça pile guette et que l'autre qui pile pas que sans Jésus ça va et ça fait maintenant tout frères et sœurs pas quitter mon tout lever joie au nom de Dieu parce que joie là quitter mon tout c'est pas couleur qui parle c'est pas nationalité qui parle c'est pas rang social qui parle c'est pas connaissance qui parle même si tu as 27 ans qui parle mais pas le bon joie. Joie, c'est parce que la vie est cachée avec Christ, mon Dieu. Amen. Ça va? Jésus-Christ dit à disciples, ça va dire si on a des gens parler, les gens qui ont choisi la forme, la bestouille. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez. Et le monde en se réjouira. Pour qui ça a préjugé? Il a préjugé. Parce qu'ils ont encore la ténèbre et pour même on a lumière. Car si on a la lumière autant que vous, qui t'aime tout, ils ont arrangé pour que Satan fasse souffrir. Parce qu'il n'y a pas de monde qui a servi bon Dieu pour Satan. Non, non. L'exemple. Il n'y a pas de monde qui a pris position pour bon Dieu pour Satan. Et nous souvent dit nous, ça devient cher ça. Lorsque Jésus a vu le chercher, il n'y a pas rentré dans le royaume pâle, là, le prendre pour le mener dans le royaume pâle. Là, le royaume tiers, là, le prendre mener dans le royaume pâle. Donc, ça ne va pas gonfler les terrains pour le remettre, parce que pour Dieu rachète dans le sang de Dieu. Et tout le monde qui s'est fait pour lâcher dans le sang de Dieu, maintenant, il y a possibilité pour le lâcher. Parce que sauvé à la matière, persuadé que Jésus l'a raté. Amen. Donc, non, dans l'église de Smyrne, acte 2, verset 9, dans l'église, ou sujet à la souffrance. Satan cible. Satan parle même. Satan parle jamais même. Surtout sous le monde qui a une conviction pour servir bon Dieu avec fidélité et fidélité. Amen. Dans Apocalypse 2, verset 9, il est question de l'église de Smyrne. Une église qui faisait tout son possible pour être agréable à son Seigneur, à Jésus. Amen. Une église qui marchait avec Dieu malgré la souffrance. Une église qui servait le Seigneur malgré en fait dans toutes sortes de choses mal qui se faisaient autour de lui-même. Mais lui, il voulait être fidèle à son Seigneur. Il est écrit dans Acte 2, verset 1, Apocalypse 2, verset 8, écrit alors de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Maintenant, laissez-nous, frères et sœurs, très souvent, lorsque ton moment d'épreuve, moment de souffrance, au moment de privation arrive, c'est comme si mon Dieu ne connaît pas. Qui t'aime tout sous ce petit bon Dieu qu'on l'a vu. Amen. Bon Dieu qu'on a levé, bon Dieu qu'on tombe levé, bon Dieu qu'on faiblesse ou qu'on force. Est-ce que l'exemple de ça m'a dit là? Amen. Et là, on prend une décision pour servir encore. Dieu était en permanence sous. Amen. C'est ma parole là qui dit, bon Dieu qui a fait Israël, il n'a pas dormi. C'est ma parole là qui dit ça, oui. Bon Dieu qui a fait Israël, il n'a pas dormi. Car si mon Dieu dort, on sait qu'on peut le dire, ça te rajoute déjà. Amen.
10 000 l'ont souffri pour la cause de Dieu. L'ont souffri parce qu'on voulait mener en vie de sainte bouteille. L'ont souffri parce qu'on voulait intégrer Dieu. L'ont souffri parce qu'on parlait mener dans toute sauce, dans toute amalgame, dans toute embrouillamine du monde. Mais on voulait mener une vie singulière avec mon Dieu. Et le moment, ça a été nous, on a monde qui va prendre à tout comme on fait chaud comme ça. Pour qu'ils soient chauds comme ça. C'est pour qu'on ait une première place dans l'église. Là. Mais ce n'est pas vous même pour une place ici, mais vous même place. Il est nous qui vont parce que vous vont place ici. Nous comptons pour nous qui marcher pas les mal parce qu'on besoin place ici. Mais qui aime nous place ici, même si on fait en l'or et en diamant, c'est vanité des vanités pour suivre tout le monde. Cherchez à suivre une place pour la gloire. Cherchez à suivre une place où en haut. Pour le voleur, la terre et la houille, les pères suprêmes. Ça va à l'église? Jésus qui dit à l'église de Smyrne, je connais ta souffrance et ta pauvreté, bien que tu sois. Je ne pas que l'argent mon Jésus. Ça va? Ou pas qu'on ait le taille mon Jésus? Ou pas qu'on visa pour voyager à l'étranger mon Jésus? Amen. Ça va? Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Quand il en faut chrétien dans l'église, c'est fait dossier, fait kazak, fait chemin, fait kilon, fait comme ça, etc. Amen. Amen. Parce que c'est ça qui a fait pour vous faire. C'est seulement ça qui a comme fonction, comme occupation. Même quand il y a qui est plus sobre, qui est plus noble, qui est plus sage, qui est plus sain, qui est plus honorifique, que nous avons commencé à faire. On est acheté à parler nous mal. On est acheté à critiquer nous. Les gens qui se mettent des manteaux sur le monde qui n'a pas mérité. Ça va? Et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs ou de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue du Satan. Et qui t'aime donc, bagaille? Quand on m'a parlé, là, bon Dieu, vient prendre tête, moi. Si je parle vraiment, je ne l'esprit pas de Dieu. Amen! Et c'est même si tu as fait du tort, même si tu as fait mal, moi-même si je parle le mal, je suis mal passé pour qui ça? Moi, elle fait mal, elle fait mal. Si moi, elle fait mal, je suis mal passé. Pas pour moi-même pour ça. Parce que tout le monde est sensible. Mais qui t'aime aussi, Jésus est sensible pour les frères et sœurs, même avec nous, pour nous empêcher, nous avons mouru, nous allons en faire. Amen. Ça va? Et l'église, Jésus, quand tu vas parler avec l'église, là, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas. Alors, mais Jésus-Christ n'avait-il pas assez de puissance, assez de pouvoir, assez de capacité pour empêcher le monde de souffrir? Oui. Mais qui t'aime nous, Jésus-Christ est souffri dans la place où, ou même pour compris, pour payer, si vous voulez, non pas. Obtenir la vie éternelle, mais pour être récompensé au bénéfice de Dieu. Amen. Parce que Jésus qui réserve de grandes récompenses pour les gens qui travaillent fidèlement, pour les gens qui sont conséquents avec eux-mêmes et avec Dieu, il réserve de grandes récompenses pour eux. Et si je parle de l'enlèvement de l'église pour aller dans le ciel, là, moi je voulais dire avec tout le monde qui a des oreilles à la matière pour t'en l'église n'a pas passé l'éternité dans le ciel. Là. Une seule amen. Une seule amen. Mais deux. L'église n'a pas passé tout le temps dans le ciel. Et d'après la prophétie d'une année, l'église n'a pas passé 7 années dans le ciel. Amen. Après 7 années, ça c'est sous terre, ça qu'on aura vivre là. L'église a coulé encore. Mais pas avec toutes sortes de sottises pour elle là dedans. Pas avec toutes mes chansons là dedans. Pas avec tout le monde là dedans. Jésus a nettoyé. Amen. Amen. La nettoyé. Et on va comprendre, frères et sœurs. Mission Jésus qui vous confie. Mais on même mission par tout pour finir. Donc servir bon Dieu. En temps et en du temps. Le haut parle bien, servir bon Dieu. Le haut parle mal, servir bon Dieu. Le haut renom, servir bon Dieu. Le haïo, servir bon Dieu. Le haut félicite, servir bon Dieu. Le haut discrédite, servir bon Dieu. Parce que Jésus dit la parole. Celui qui me cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et dès que vous joignez Jésus, qui t'aime pour joindre toute bagarre. Dans Proverbe 8, il dit celui qui me trouve, trouve la vie. Amen. À
Voilà. Donc l'église de Smyrne, c'était l'église de la souffrance. L'église qui était appelée pour souffrir pour une bonne cause, pour l'évangile. Mais ça continue pour le dire avec l'église là. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable, jeté là quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Oh, si l'église a la veine, il a pris le petit texte. Ah, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Jésus qui a payé déjà le prix le plus lourd, mais je dis, même avec moi. Le fait que tu n'es pas normal, c'est pour une raison pour ne pas être mal. Le fait qu'ils ont critiqué, c'est pour une raison pour critiquer. Et je constate un regard chez l'homme, et ça m'a dit le vrai. Chita là, dimanche après dimanche, pas j'en fais rien pour être sous le j'aime parler de vous. Posez ça sur la chita. Ou habillez bien fait, ou bien nos chita là. Le seul travail à faire, c'est ouvrir pour nous rentrer au chita. Et puis, place contre au chita, ou capable de venir enfoncer ban. 24, 7 jours par semaine, ou vivre en chita. Personne ne va plus. Juste lever. Vous parlez de ces choses ensemble. Prends balle et à vous balle, Inch'Allah, ça va passer. Prends balle et à vous balle, ça va passer. Quand vous avez un marqué, mais levez, prends balle et à vous passer sous, pour étirer ça, il y a quoi? Tout ce qui est en vie, il et place les gens. Amen. Ça fait l'homme à vivre, vas-y. C'est l'homme, ça. Ça fait ne pas quitter l'homme dévié dans mon Dieu. Amen. Pas quitter l'homme pour faire du grâce dans mon Dieu. Amen. Pas quitter l'homme parce que la Bible dit ce qu'un homme aura semé, il ne rassemblera pas. Et notre Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. C'est ça que Paul dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et Paul pouvait nous dire, et maintenant, est-ce que ça va les hommes que je désire? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas. Amen. Amen. En vérité, Jésus dit où? Combien de tristesse de lui monde a réjoui de vous. Mais il dit, le jour viendra, votre tristesse se changera en joie. Votre tristesse se changera en joie. Amen. Et laissez-moi vous dire. Les apôtres qui ont mené une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie consacrée, une vie d'intégrité et de droiture. La Bible expliquait qu'ils connaissent des morts atroces. Ils connaissent des souffrances, le capable de dire incomparable. Parce que là, parler de l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens, frères et sœurs, la vie n'était pas reposante pour eux. Les chrétiens authentiques, des fois, frères et sœurs, qui t'aiment nous, ils expliquaient dans l'histoire, ils ont gratté tête, ils ont fouillé un trou, et puis ils ont rentré dans le trou tout vivant, et puis ils ont mis l'huile chaude sous tête, après sa cheval à galoper sous. Ça va? Chrétiens autrefois, ils ont marré pied, yon a tiré à droite, l'autre l'a tiré à gauche, yon fond ni en deux. Chrétien autrefois, yon mette l'union non fausse pour l'union affamé, pour l'union grand groupe, et quand Néron besoin montrer que c'est lui-même qui seigneur des seigneurs, qui ça, yon prend moun sa yon, yon lagé au nom colisé, et puis yon livré à lion, lion dévoré. Ça va? Ah,
n'était pas du tout au bon. Mais sauf que ça, on te connaît. On te connaît qu'on promesse sous tête. Le monde rira de vous. Vous aurez de la tristesse. Mais soyez donc secrète. Votre tristesse se changera. Dans Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22, il est dit, fortifiant, c'est l'apôtre Paul et Barnabas, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Amen. Jésus lui-même n'a dit pas dit, vous aurez des tribulations dans les mois, mais prenez courage, j'ai vaincu. Amen. Voilà Dieu. Alors, vous voulez aller au ciel sans avoir sur le corps une petite éclatie? Et puis, on passe sous le paquet de paroles pour nous, bonjour, sans vous vexer, on se on se trouve, comment se comprendre, comment on va pour répéter. Amen. Amen. L'église de vie. Souffrance, c'est l'héritage de notre petit âge. Amen. Souffrance, c'est l'eau. Mais c'est seulement l'eau qui a souffert pour la bonne cause. Amen. On a souffert comme chrétien. On a souffert comme juste. Ça va l'église. Donc, Paul dit qu'a dit, dans Romains 8, verset 35, Romains 8, 35. La vie n'était pas rose pour Paul aussi qui parle. Amen. La vie n'était pas de tout autour pour l'apôtre Paul. Mais il avait une assurance. Il avait une certitude que ses souffrances n'étaient pas pour rien. Amen. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains 8, à partir du verset 35, il est dit. Voilà. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Là, ils font brebis venir dans la boucherie, on va faire belle. On va sacrifier. Amen. Donc, ben, tuer. Et quittez-vous, c'est ça la vie du chrétien authentique. Le chrétien authentique, c'est comme une brebis qui a mené à la boucherie. Il faut d'accord pour mourir comme maître là. Sans pas la réponse. Sans pas revendiquer dehors. Il n'est pas facile, frères et sœurs. Ça n'était pas facile non plus pour le maître. Il m'a doucement le maître, t'as pris un gif, t'as pris un souffle, t'as pris un calotte, frappé dans la tête sous ses bon Dieu. Dis qu'il m'a frappé, il m'a doucement. Et c'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa part, et qu'il me suive. Ça va? Ah! Là, au bon temps, on voit vers la croix, même sous bas-là. Même sous bas-là. Comme ça, des clous. Et les pieds croisés l'un sur l'autre. Un clou. Deux clous dans la main, un clou dans le pied. Les deux pieds cloués en même temps. Amen. On est là. Et puis, dans le principe là, ça y est fait. Yo met ton petit morceau de bois en bas pied, pour pas l'autre qui supporte. Et lorsque vous avez besoin de mourir plus vite, vous retirez le petit bois en bas pied là pour pouvoir coller, descendre, déchirer, descendre. Ça va? C'est ça mettre la passée pour vous. C'est ça mettre la subie pour vous. C'est ça mettre la prendre pour vous. Et je dis à vos paroles de consolation pour vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez point. Des jours, des pleurs feront place aux jours de joie et de réjouissance. Amen. 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 Et on va comprendre. Vivre pour Jésus présentement, mes soeurs, pour tellement de bagages sur les tours, pour dévier, pour distraire. Amen. Pour lever goût pour mon Dieu,
Sous pour moi qui goûte, mon Dieu, tout le monde, comme Pierre a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. Sous ce monde qui vit dans l'évangile, tout simplement parce que maman l'église, parce que papa, pasteur, papa, papa, diable, qui t'aime tout, frères et sœurs, mon Dieu a influencé et puis a lâché. Amen. Pour ce monde qui a une vie d'intérieur, ou qu'on désire profond, ou qu'on pensée, ou qu'on sentiment qui dit non, je ne peux pas mourir misérable, je ne peux pas mourir lamentablement misérable. Faut mourir comme un enfant de Dieu, faut mourir comme petit bon Dieu, l'homme mourir comme petit bon Dieu, je ne sais pas de ce problème là, et l'homme tant de ce problème là, m'a pleuré. Ou dans le ciel là, Jésus fait chemin déjà. C'est lui-même. Et quand on voit le temple te déchiré de haut en bas, ça veut dire qu'on est là, qui était barré, nous avons dû craser, et puis maintenant, autoroute là ouvert. Amen. Tout le monde qui voulait passer, passer. Amen. Je dis à femme avec ceux, vous ne pas connu. Ok, 50 ans, on va promettre pour faire l'argent. Ou faire l'argent selon capacité, selon niveau connaissance ou profession pour gain. Ou faire l'argent selon ta connaissance, selon capacité physique pour faire quoi. 50 ans, 60 ans, on va faire l'argent, spirituellement parlant. Qui sont les réglés pour vous? Dis-moi, qui sont les spirituellement, qui sont les réglés pour vous? Et c'est ça, un monde qui sauve vraiment, les travaille, oui, mais c'est pas travail qui fait qu'elle content, c'est pas l'argent qui fait qu'elle content. Ça fait qu'on commence grâce pour Dieu pour le travail et puis avec le travail la béni mon Dieu la béni mon Dieu. Amen. 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 Donc, ça me plaît dire avec l'église ce matin. Qu'on promesse qu'il fait à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 10. Et cette promesse, je l'approprie à moi. Bien qu'il y a des grands théologiens, des hommes très éloquents qui disent haut et fort que l'Église ne sera pas enlevée. L'Église restera sur la terre. L'Église passera la grande tribulation sur la terre. Et quand vous les entendez parler, si vous n'avez pas une notion de lui, ils vont démolir votre pensée. Ils vont détruire votre espérance. Ils vont vous mettre dans une situation embarrassante. Est-ce vrai? Est-ce faux? Où je vais aller? Est-ce vrai? Est-ce faux? Donc c'est pourquoi il est très important, frères et sœurs, d'acquérir cette connaissance de la Bible pour que quand ces hommes-là, éloquents soient-ils, mais pour que vous soyez sûr que vous êtes dans la bonne voie et que vous marchez avec le bon Seigneur. Après l'histoire, écoutez ça. Il est écrit, parce que tu as gardé l'Église de la Bible. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et cette promesse qui a été faite à l'église de Philadelphie, l'église aussi comme l'église de Smyrne, qui n'avait pas eu de repos de la part du Seigneur. Donc l'église de Philadelphie, bien qu'elle était petite, amen, elle était pauvre matériellement, mais riche spirituellement. Et bien cette église, parce que l'église a pris une décision pour servir mon Dieu en temps et en deux temps, quand ça va, il sert mon Dieu, quand ça va pas, il sert mon Dieu, quand dans l'église, il y a un bon démon qui a permis de l'église, il a passé par l'expression, il aurait été noyau et fidèle à l'église. Mais Jésus dit l'église, ça, parce que vous gardez parole, parce que vous avez la main, vous parlez des noms, et vous même tout le cadeau à l'œil de la tentation qui a l'œil de la tentation qui a ce qui laisse lié, c'est lorsque l'antéchrist vient avec ma parole. Pour dire tout le monde qui parle, prend ma table, qui te dit ou à mourir. Ou pas cacher ou pas cavaler. Ça va? Ou pas cacher ou pas cavaler. Mais heureusement, l'église authentique là sera déjà enlevée. Sera déjà au ciel. Et c'est pourquoi, ou même qui l'église, je dis à préparer pour l'église, parce que la trompette sonnera pour l'église. La trompette sonnera pour l'église. Et quand la trompette sonnera pour l'église, tous les vrais chrétiens, tous les authentiques chrétiens seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais vous qui t'a dit Seigneur, Seigneur, et puis on a tout ça, vous voulez faire ça, vous voulez mon père café, vous voulez dire ça, vous voulez manger ça, vous voulez manger, agir, vous voulez agir, ou après on rêve sous la terre. Mais vrai l'église à lui-même là, levé. Amen.
Et bien aimé, laissez-moi dire un bagage. Dans l'église à pleuvé, nous disons ça déjà, c'est vrai un événement à l'échelle mondiale, mais qui a concerné seulement l'église authentique. Là. Trompette la sonner, ce n'est pas tout le monde qui a attendu. Car son rendez-vous à l'église seule. Amen. Amen. Son rendez-vous à l'église seulement. Tout le monde qui était vrai chrétien, hein, même s'il était 1000 ans, 10 000 ans, il mourit en bas terre, là, levé. Parce que je ne veux pas l'arriver. Ça va? Et lorsque je ça va arriver, frères et sœurs, aucun de mon enfer va capter un de monde qui pour moi Dieu dans l'enfer. Amen. Amen. Même Jean-Jésus devant ton Lazare. Amen. Il n'a pas dit mort le roi, mais il dit Lazare, sors. Ça va? Ça va? Vous comprenez si Jésus était comme il dit mort, sors. Tout le monde a couru. Mais je vous ça, c'était je vous parle à ça seulement. Et bien je vous parle d'exercice, je vous parle d'exercice seulement. Le son de la trompette sonnera pour l'église seule. Amen. 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 Si vous parlez d'église maintenant, cherchez pour l'église. Ce n'est pas moi qui a fait l'église, c'est Jésus-Christ avec Saint-Esprit qui a convaincu pour vivre l'église. Sois sans crainte l'église. Soit crié jeudi, soit souffrir jeudi, soit privé de droit jeudi, et pas comme un poli. Pas comme un poli, parce que Jésus-Christ lui-même dit qu'il croit du boulot, soit il est vraiment droit. Si on doit faire 1000, faites 2. Mais faut être comme ça, il faut dire. Imaginons. Donc là, attendez bien ça. Là, on est en plein hiver, mettons. Alors, bien aimé, il faut nous comprendre tout. Il ne faut nous pas tellement interpréter paroles là qui pour ça fait pas. D'accord? Pour ça fait pas nous pour nous mettre. Parce que dans le hiver, comme les sorties dans ce passé, et même comme les jeudi, ou qui manteau sous. Amen. Ou qui radio sous. Et puis vous sous dans l'hiver là. Et puis l'arrivée est comme un petit kembo, il prend en droit. Et puis, qu'on a la vidéo pour parler, ça en bas. Pas quoi nécessairement. C'est naturel, c'est comme ça que je parle. Parce que dans l'hiver, il y a un manteau important. Hein? Amen. Dans l'hiver, il y a un manteau important. Donc, cherchez dans la roue pour ça qui est important. Amen. Qui prend un manteau. Amen. Mais le manteau qui est important. Qu'on paye valeur et qui prend la place de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez prendre? Oh, mais 150 000 dollars pour Kaisa. Personne ne peut prendre la porte parce que sous un trait. C'est beau ça. Si vous voulez prendre, qui dit vous voulez? Parce que vous contente. Amen. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite. Ça, du feu pas qu'à brûler, tremblement de terre pas qu'à craser, voler pas qu'à percer. Amen. Donne-moi de nous travailler pour demeurer ça, frère, c'est sûr. Travailler pour lui. C'est justement parce que samedi là, qui est debout en Haïti, qu'on est là, ça fait la pluie et le beau temps. On travaille dur pour qu'on gagne. On travaille dur pour planter 4 murs. Et puis pour faire un mur. Pour faire 3. Et puis pour pas qu'on ait un bébé. Et qui te connaît, même ceux qui ont mon aide avant 5 ans. Ok? Ou qui ont mon aide pendant 5 ans, aucune chance pour leur tourner encore. Sous sensible pour qu'elle ait été vieux et puis qu'elle ait été vieux. Ça va? Pour qu'il ait vieux et puis qu'elle ait été. C'est ça fait du travail plus pour royaume côté voler par capesse. Amen. Qu'il consacre pour l'église là, qu'il consacre pour moi-même la palia, qu'il consacre pour chacun de nous, que la paix de Dieu soit. Amen. Thank you.
l'Éternel car il est bon. Assemblée. Louez le Dieu des dieux. Assemblée. Louez le Seigneur des seigneurs. Assemblée. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, restez et demeure sur chacun de vous. Dans ce moment pour l'éternité, allez avec vous, Dieu béni, non? Amen.